Micheline Prelle est morte ce mercredi 21 février. Son gendre Olivier Baumsel a annoncé qu'elle s'était éteinte paisiblement à l'âge de 101 ans, vers 18h au sein de la Maison des Artistes, une maison de retraite historique située sur la commune de Nogent-sur-Marne, près de Paris. Elle était née en 1922 et sa carrière avait commencé très jeune. Elle avait 15 ans quand elle avait tourné son premier film, La Fessée. D'être dans les années 30 et 40, elle avait tourné pour les plus prestigieux réalisateurs, Abel Gance, Marc Allégret ou encore Jacques Becker. Le début de la guerre lui avait donné ses plus beaux rôles, Boule de Suif et Le Diable au corps, pour lequel elle avait joué avec Gérard Philippe. Elle s'était exilée aux États-Unis où elle avait rencontré William Marshall, avec qui elle s'était mariée en 1950, et ils avaient eu ensemble une fille, Toni Marshall, qui est décédée en 2020 à l'âge de 68 ans. Elle avait également marqué les esprits à la télé dans Les Saintes Chéries aux côtés de Daniel Gélin pendant 6 ans.